manipulé, évidemment. Mais je sais ce qu'est une peine de cœur et ça m'en a tout l'air. Une peine de cœur, moi? Je vois pas de quoi tu parles. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai envie de nager, pas toi? Allons à la piscine. Tu sais que si tu as besoin de parler, je suis là pour à toi. À la piscine. Wouhou. On aurait dû décrocher ces photos. Stop. Je suis pas triste. Et ces photos me dérangent pas. Pas du tout. Ce sont juste des clichés de mode et de mes amis. Et j'aime la mode et mes amis, bien sûr. Alors, laissez-les à leur place. Y a pas de problème. Donc, Marinette a un problème. Elle a un chagrin d'amour. Au départ, elle est amoureuse d'Adrien. Mais elle arrive jamais à lui dire qu'elle l'aime. Parce que, c'est Marinette. Et que lui, c'est Adrien. Puis, Lucas entre en scène. Marinette arrive à lui parler parce que c'est Lucas. Ils sortent ensemble. Ce qu'ils étaient mignons, tous les deux. On est d'accord, sauf qu'ils ont rompu. Mais le fond du problème, c'est que Marinette ne nous a jamais rien raconté de tout ça. Si Lucas l'avait pas dit à sa sœur Juleka, qu'il a dit à Rose, qu'il a dit à Mylène, qu'il a dit à Alix, qui a fini par me le dire, alors que moi, je suis quand même sa meilleure amie, je le saurais toujours pas. Hier au collège, j'étais aux toilettes et je l'ai entendu pleurer. Marinette, tu pleures? Moi, pleurer? Pas du tout, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. On devrait organiser une super fête. Je suis trop contente. Mais pourquoi elle nous cache ses secrets comme ça? Si elle dit rien même à Alia, c'est qu'il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait? Ce dont Marinette a besoin, c'est d'une discussion entre amis. Je propose de l'appeler tout ensemble pour en parler. Check lapin. Je crois que je vais tomber sur son répondeur. Et Marinette, laissez un message, bip. Salut Marinette, c'est nous. Coucou. Juste pour te dire qu'on est là si t'as besoin de parler. Quand tu veux, où tu veux. Rappelle-nous. On t'aime, gros bisous.